Le FIC rassemble tous les spécialistes du domaine de la cybersécurité. C'est vraiment le grand rassemblement annuel qui dépasse les frontières de notre pays aujourd'hui, puisqu'il y a une soixantaine de nationalités représentées durant ce salon. Le domaine de la cybersécurité fait partie de nos enseignements depuis la création de l'école. C'est l'un des points forts reconnus par les industriels et c'est aujourd'hui une spécialité de dernière année. Nous y sommes venus pour la première fois dans le cadre d'un partenariat avec l'une des directions centrales de la police judiciaire, avec l'OCLCTIC. Et depuis 2 ans, nous avons un stand SecureSphere by EPITA, donc la structure de formation continue en cybersécurité de l'école. SecureSphere a pour vocation de pouvoir, en s'appuyant sur les ressources et les compétences d'EPITA, de pouvoir promouvoir la cybersécurité, tout particulièrement au sein des entreprises. Notre vocation première a été de placer l'humain au cœur du dispositif. Ce qui en fait la différence par rapport à une école de formation à l'identique, c'est d'abord qu'on a cherché une vision très transversale de l'ensemble de nos dispositifs, d'une part. On s'est appuyé sur un comité d'organisation et de programme stratégique qui est formé de professionnels de la formation, professionnels de la cybersécurité, professionnels de l'entreprise, professionnels des administrations ou de la justice concernées par les problèmes de cybersécurité. On a donc là tout un panel de spécialistes qui nous aident à prévoir des modules de formation cohérents et qui sont en adéquation permanente avec les besoins de l'entreprise. Le Challenge FIC, c'est toute une opération gérée par des élèves de la spécialité système réseau et sécurité de l'école qui prépare un challenge auxquels les étudiants de l'EPITA évidemment ne participent pas, mais qui sont ouverts à des étudiants d'autres écoles ou à des professionnels. Et pendant plusieurs heures, ils vont avoir à traiter des problèmes de sécurité, de hacking. L'objectif, c'est de tester un petit peu des techniques d'analyse après intrusion, après compromission, pour, comme un jeu d'enquête, découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Et en l'occurrence, à chaque fois, il faut découvrir un petit mot de passe qui permet de valider et gagner des points. On a par exemple une copie de la mémoire d'un ordinateur. Et donc dans cette mémoire, on va aller rechercher des indices qui permettent de trouver une solution, une trace de l'attaquant. La trace qu'on va obtenir, une adresse IP par exemple, va être la solution d'un exercice. Autre élément d'actualité pour nous, la présence de l'EPITA dans le cadre du Livre Cyber 2015 organisé par le FIC. Nous avons été sollicités pour présenter le livre Big Data, Open Data que nous avions conçu pour les 30 ans de l'EPITA. Donc le deuxième prix, il va être remis par le général de division Ebrard, donc qui est le chef du pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale. Donc le titre du livre, c'est « Big, Fast et Open Data, décrire, décrypter et prédire le monde, l'avènement des données ». L'EPITA, c'est une grande école au service de la cybersécurité. Nous, on avait voulu récompenser ce livre, bon, d'abord parce que c'est quand même un ouvrage collectif, je pense que c'est important qu'il y ait un ouvrage collectif. En plus, vous avez interviewé tous les gens du domaine. C'est intéressant qu'une école d'ingénieurs dynamiques comme la vôtre participe à ce type de réflexion. Il m'a été demandé d'écrire un article sur la perception qu'on avait de la Big Data. Je trouvais que c'était intéressant d'apporter l'éclairage du ministère de la Défense et notamment de poursuivre le partenariat que nous avons avec l'EPITA sur la réserve citoyenne, sur la réserve opérationnelle. Et ça paraissait intéressant que dans une publication de l'EPITA, un article qui mette en avant la perception par le ministère de la Défense dans le continuum sécurité-défense soit écrit. Nous sommes très heureux d'avoir reçu ce prix du Livre Cyber 2015 pour cet ouvrage Big, Fast et Open Data. C'est un ouvrage collectif qui nous a permis de couvrir un très large spectre, aussi bien dans le domaine de l'humain que dans le domaine de l'économie, de l'entreprise, de l'impact des big data dans les années à venir. Or, qui dit données, dit aussi protection des données. Je crois que le jury a été sensible à cette dimension qui a été abordée par plusieurs des contributeurs de l'ouvrage, qui permet non seulement d'envisager ce que sera l'impact des big data, mais aussi comment les gérer, comment les protéger et comment intégrer cette dimension sécurité qui est le thème principal bien évidemment du FIC. Pour l'EPITA, c'est un élément de plus, dirais-je, dans la reconnaissance de ces actions autour de la cybersécurité. C'est aussi une reconnaissance de son intérêt pour les nouvelles technologies.
comme toujours, l'école essaye d'être présente là où se crée le futur et les big data sont indéniablement l'un des éléments phares des prochaines années. On n'imagine pas encore toutes les implications que pourront avoir l'exploitation de ces données dans l'avenir.